maman ne me dit pas. Pourquoi? Regarde comment tu attends de mourir. Mais pourquoi elle ne t'aime pas? Pourquoi? C'est très clair qu'elle ne veut pas que je t'épouse. Ah oui? Elle est en train de faire tout ce qui est à son pouvoir pour combattre notre amour. Probablement... Elle veut peut-être que tu épouses un homme qui est riche. Non! Pourquoi tu dis de telles choses? Je ne peux pas! Où est-ce que tu veux que je parte? Où est-ce que tu veux que je parte? Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma vie. Nous devons nous marier. Nous devons le faire. Je t'aime beaucoup. Hein? Je ne peux te quitter. Hein? Je vais toujours t'aimer. Je t'aime. Mais d'où viens-tu? Tu me regardes comme ça. Papa, j'étais chez Juice, oui. Tu es allé dans le bureau de Dieu? Très tôt matin comme ça. Vois-tu comment tu es inutile? Tu n'as pas de tête. Naël, s'il te plaît, arrête ça. Comment tu peux regarder une très belle fille que j'ai mise au monde, moi? Une très belle fille comme celle-ci. Et tu dis qu'elle est inutile? Comment ça? Biko, Biko, ne le dis plus jamais. Ça ne va pas passer avec moi. Je sais que tu vas la soutenir. Ta fille inutile. Et toi, tu es allé là-bas dans cette maison très tôt matin comme ça. Pourquoi est-ce que Ujo n'est pas venu ici chez nous? Est-ce que tu t'es demandé? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi? Parce que tu ne réfléchis pas. Hein? Regarde-les. Telle mère, telle fille. Je t'ai demandé de me donner de beaux garçons et tu m'as donné cette fille inutile. Suis-je les dieux qui donnent les garçons? La plupart de tes amis engrossent leurs femmes. Qui m'a engrossé pour avoir celle-ci. Dans ce cas, elle est encore avec et j'ai des enfants mal. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh, pardon, ma fille, entre à la maison, je vais en finir avec. Oui? Dis-lui, comment est-ce qu'elle peut s'occuper de son père? Je m'en crois faire. Quelle mère, quelle fille? Si je mourais aujourd'hui, qui va hériter de tout ce que j'ai? Est-ce toi ou ta fille inutile? Tu dis? Non, je te demande. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Mon Dieu, arrête ça. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma propre faute d'avoir refusé d'avoir une deuxième femme. Comme tous mes amis. Si je l'avais fait, tu n'allais pas avoir ce courage de te tenir devant moi et de te moquer de moi n'importe comment. Ce n'est pas de ta faute. Hein? Regarde comment ta fille se comporte. Et toi, tu ne fais que prendre sa défense. N'importe quoi. Un jour, tout c'est sûr à une fin. Bon après-midi, reviens ici. D'où viens-tu? Ah maman, je suis partie voir Ogé. Tu viens de voir Ogé? Oui maman. Quel Ogé? Maman, quel Ogé connais-tu encore? Pour ton information, Ogé était venu ici te chercher. Ujo, maman, hein? Quoi Ujo? Quoi Ujo? Donc tu reviens de chez l'inutile de ton petit ami. Maman, Obi n'est pas inutile. Il n'est pas inutile. Si Obi n'est pas inutile, qu'est-ce qu'il a déjà fait durant toute sa vie? Tu suis ce fainéant des garçons. C'est laid. Quelqu'un qui sent. Ça, c'est ce que tu préfères suivre. Non, 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 non. Pas ma fille. Oh. Pas dans ma maison. Maman. Hein? Ça, c'est ma vie. Laisse-moi la vivre comme je veux. S'il te plaît, excuse-moi. Ujo, reviens ici. Reviens ici. Regarde-moi cette fille. Oh. Elle a maintenant des ailes. Dans ma maison. Non, non. on verra. Ou tu en verras, oh. Pas dans ma maison. C'est quoi ces bêtises? Sans effet, oh.
honte. Maman, j'ai pensé à quelque chose. Tu pensais à quoi, maman? À propos de ton ami. Oudjou, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Je vois Oudjou comme une mauvaise influence pour toi. Je dirais la façon dont elle marche. Sa façon d'être ne me plaît pas. Je ne pense pas que cette fille a reçu une bonne éducation. Oudjou, c'est une très bonne fille. Oui. Écoute, oublie un peu tout ce que tu viens de me dire concernant elle. Mais c'est une bonne fille, oh. Et d'ailleurs, c'est elle qui me conseille parfois. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, tu la défends maintenant? Mon Dieu, oh. Ok, Chou. Ces comportements que tu as commencé de défendre Oudjou. Tu es sûr que tu n'as pas suivi ses habitudes? Dis-moi la vérité. Non, 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 maman. Je n'ai rien suivi. Sinon, papa va me tuer. Je ne vais pas faire ça. Dieu merci. Dieu merci parce que tu n'as pas agi de la sorte. Sinon, ton père va te tuer. C'est ton problème. Tu dois te donner de la valeur. Ne laisse pas cette fille t'influencer négativement. M'attends-tu? Oui, maman. Tu es une fille, tu ne dois pas être influencée. Sois prudente. Salut, beauté, comment tu vas? Pourquoi marches-tu sous le soleil? Ma maison n'est pas trop loin, alors ce n'est pas grave pour moi. Oh non, je sais que la maison n'est pas loin, mais pourquoi est-ce qu'une très belle fille comme toi peut marcher sous le soleil? Et s'il te plaît, puis-je t'accompagner? Non, monsieur, merci. S'il te plaît, j'insiste, pardon. Alors, laisse-moi t'accompagner. Monsieur, je ne vous connais même pas. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? D'ailleurs, je pensais que vous étiez en train de me demander une adresse. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Je sais très bien que tu ne me connais pas, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes non plus, hein? C'est juste que je veux t'accompagner. Et s'il te plaît... Me déposer? Oui, juste t'accompagner. Déposez-moi à la maison. Bon, d'accord. Juste à la maison. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Quels sont les genres d'amis que j'ai aussi besoin? Les amis riches. Tu ne vois pas comment est-ce qu'il éclaire toute la parcelle. Hey, maman. Donc, tu veux dire que tu faisais ça? Oui, non? Oui. Hey, quand est-ce qu'il vient nous voir? Nous? Nous, pourquoi, maman? Comment? Quand est-ce qu'il viendra payer ta dot, non? Maman! Quelqu'un que je croisais maintenant. Tu veux qu'il vienne payer ma dot? Maman, veux-tu me mettre dehors? Oui, non. Alors, c'est là un problème. Je veux que tu te maries à un homme riche, non? Comme celui qui vient d'être ici. Je te donne la chance des hommes riches, oui, c'est ça. Qui peuvent prendre soin de toi pour que tu aies une bonne vie. Maman? Alors, qu'est-ce qui va arriver à Obina? Je parle de bonnes choses et tu m'appelles Obina ici. Mon ami, ne change pas mon numéro. Ne change pas mon numéro. Je suis heureuse maintenant. Pourquoi tu veux changer mon numéro? Maman, es-tu fâchée?
Vas-y là-bas, je n'ai pas besoin de manger. C'est ton ami. Quand est-ce qu'il viendra encore, oh? Ah ah! J'ai besoin de tel ami aussi, oh, moi. Reviens encore, s'il te plaît. J'ai faim. C'est toi que j'ai besoin et non Obina. Qui est Obina? N'importe quoi. Moi, je ne veux que toi. Maman Ada, viens, 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 s'il te plaît, viens. Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Y a-t-il un problème ou quoi? Tu es en train de crier mon nom comme ça. Mets-toi. Maman Ada? Tu sais, j'étais en train de réfléchir et je crois que c'est maintenant le bon moment d'aller de l'avant et faire ces changements. Je veux venir avec une autre femme dans cette maison. S'il te plaît, pardon. Attends, oh. Tu veux dire que tu veux marier une seconde femme? Oui. Quelle partie n'as-tu pas compris? Et tu viendras avec elle dans cette maison? Bien sûr que oui. Est-ce que j'ai une autre maison? Ai-je une autre? Pas de problème. Mais l'amener dans cette maison, tel est le problème. Comment? Un grand problème. C'est un grand problème, l'amener ici. Parce que ça ne peut jamais arriver. Tu peux te marier à n'importe quelle femme que tu veux. 10 ou 20. Même 100. Prends-les partout, partout où tu marches, partout où tu marches. Cela ne dérange même pas, vas-y, prends. Mais amener même l'une d'elles dans cette maison, c'est là où le problème intervient. Ça ne peut jamais arriver. Dans ma propre maison? Oui. Tu me dis maintenant ce qu'il faut faire dans ma propre maison. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi qui fais ça. D'accord, ne t'inquiète pas. Nous allons tous découvrir entre toi et moi c'est qui a épousé l'autre. Essaye. Nous allons tous découvrir entre toi et moi c'est qui l'homme et c'est qui la femme. Essaye. Dans cette maison, si tu es vraiment un homme, essaye ça. Jamais, essaye. Oh, tu vas amener une autre femme dans cette maison. Cela n'est pas arrivé. Aussi longtemps que je suis là, amener une autre femme, jamais. Je ne peux jamais rester assise et laisser cela arriver. Essaye. Si tu es un homme. Alors, si tu n'es pas prête à accepter une autre femme dans cette maison, alors sois prête de partir de ma maison. Cela ne se fera pas. Moi ici, moi que tu vois. Quitter cette maison. Ah non, jamais. Quitte devant moi. Tu ne peux pas seulement m'épouser parce que je ne te donne pas de petit garçon. Après tout, tu as déjà tout consommé. Et tu me dis de rentrer dans la maison de mes parents. Et venir avec une autre femme. Jamais. Va chercher une autre femme et viens avec elle ici. Moi, je suis toujours là. Je ne bouge pas. Pas d'entrée, pas de sortie. Je suis là. Je ne bouge pas. Va l'épouser, viens avec elle. Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je crois aux actions. Attendons voir ce qui va arriver. Au lieu de parler, ça se sera. Tu vas l'accepter de gré ou de force, que tu le veuilles ou pas. Oncle, il y a une très belle fille que je viens de voir. Je pense que je l'apprécie. Tu veux dire dans ce village? Oui, oncle. Alors, c'est quoi son nom? Et dis-moi, est-elle de quelle famille? Elle s'appelle Oju et elle vit proche de la maison de maman Chizoba. Oju? Oui, oncle. Je la connais très très bien. En fait, son père était mon ami. Elle est une très bonne fille. Ça c'est bien, oncle. Et c'est vraiment une très bonne chose. C'est un très bon choix de ta part. Oncle, je pense que je ferai d'elle ma femme. C'est une très bonne idée, mon fils. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Je crois que je dois voir la famille pour ça.
afin que nous sachions ce qui pourrait être demandé là-bas. D'accord? Merci, oncle. Je t'en prie. D'accord. Oncle, s'il te plaît, tu vas juste m'aider à trouver ce qui est demandé pour que j'en paye une fois pour toutes. Oncle, pardon. Je ferai exactement ça. D'accord, messieurs. Merci. Je t'en prie, mon fils. Oudjou, ma fille. Tu vois le jeune homme qui revient de la ville. Il a dit qu'il est intéressé par toi et il veut t'épouser. Et j'étais allée voir ton oncle et il essaie déjà. Maman. Hein? Je ne suis pas prête pour le mariage. En effet, je ne connais même pas cette personne. Je l'ai juste vue une fois. Tu as vu ma fille? Ne t'en fais pas pour ça. Tu vas le connaître. C'est vraiment une procédure. Tu finiras par le connaître. D'ailleurs, il est beau. Et cet homme est vraiment riche. Mais il est prêt à tout. Moi, ce n'est pas ça le problème ici. Je ne suis pas intéressée. Je ne le connais même pas. Je ne suis pas intéressée. Tu ne vas t'intéresser. Comment tu peux me dire qu'il ne te veut pas intéresser? Tu mens! Tu seras intéressée, tu vas épouser cet homme. Il est beau et riche. Que veux-tu encore? Juste ça. Hein? C'est tout. Tu vas épouser cet homme. Comment tu peux me dire que tu ne veux pas intéresser? Mais si c'était ce garçon fainéant-là, tu allais être intéressée. Attention! Je t'ai dit de faire gaffe. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, s'il te plaît, je vais au marché. Ou tu reviens ici. Toi, allez, entre là-bas. Entre à la maison. Entre vite là-bas. Maman, je n'aime je pas ça. Je rentre à la maison. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Aluchi. 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 Papa. Papa, bienvenue. Va m'amener ma nourriture. Je suis affamé. Papa, il n'y a pas à nous dire à la maison. Quoi? Est-ce que je te parle en anglais ou en allemand? Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de nourriture dans cette maison? Papa, maman n'a pas préparé. Elle a dit qu'elle n'a rien pour préparer. Va appeler ta mère. Franchement, tout ceci devient insupportable dans cette maison. Hé, femme, où se trouve ma nourriture? Quelle nourriture? Je n'ai rien préparé. C'est depuis quand tu as commencé à me répondre de cette manière? Je n'ai préparé aucun plat. Qu'est-ce de la nourriture qui se trouve dans la cuisine? Alors comment l'espèce qui se trouve dans la cuisine? Personne ne prendra ça. Personne ne touchera ça. Tu m'as déjà dit que tu vas épouser une seconde femme. Vas-y l'épouser. Va chez ta seconde femme. Dis-lui que tu as faim, qu'elle te donne à manger. Je ne vais pas préparer. Même si je vais préparer, je vais préparer pour moi et pour mes enfants. Tu m'as bien compris, je pense. C'est maintenant comme ça que tu me parles? Oui. Juge-les comme tu veux les juger. Juge-les, c'est ton problème. Je suis toujours moi. Occupe-toi de tes affaires maintenant. Maintenant, tu veux épouser une seconde femme alors que j'ai beaucoup souffert dans ta maison. Et tu me parles de la seconde femme. Vas-y, qui te donne la nourriture. Et tu vas manger. Donc, c'est maintenant comme ça que nous vivons. D'accord. Je sais déjà ce que je dois faire. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors, tu veux dire que ta femme refuse à te donner à manger parce que tu lui as dit que tu vas épouser une deuxième femme. Mon frère Uche, ma femme est devenue quelque chose d'autre. Et je ne sais même pas par où commencer. Hein? Mais laisse-moi te demander. Est-ce un crime pour un homme de chercher à avoir une deuxième femme? Je m'étonne. Avoir deux femmes, c'est un crime. Oh. Tu lui as dit que nos ancêtres épousaient plusieurs femmes. Quelle est la différence alors?
du fait qu'elle est incapable de donner naissance à un garçon. Écoute, mon frère, un homme sans un fils dans notre royaume, il ne peut pas hausser la voix en public. Il est nul. Écoute, il faut utiliser un bras de fer sur elle pour qu'elle sache que c'est toi le chef de la maison. Ne t'inquiète pas. Ne le prends pas à la légère. Je sais quoi faire. Ne t'inquiète pas. D'accord ? Ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Ah ? En parlant, est-ce que tu peux avoir un peu de nourriture dans ta maison ? La nourriture ? Ah ah. Nketi ? Nketi ? Viens haut. Viens porter la nourriture à ton oncle. Je suis très affamé. Oh, ne t'inquiète pas, il y a la nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas avec Dieu? Je crois qu'elle va bien. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas fait voir aujourd'hui. Et je ne peux pas aller chez elle. Que vais-je faire maintenant? Your love will shock me like a me. If I not love you, what can I get? No, pourquoi est-ce qu'elle se comporte de cette façon? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à comprendre que je ne peux pas me marier à quelqu'un que je ne connais pas? Non! Pourquoi? Est-ce à cause d'argent? Écoute, Oudjou, s'il te plaît. Je veux que tu le trouves un peu facile. Fais encore tout doucement. Qu'est-ce qu'il y a à faire tout doucement? Ma mère sait très bien comment est-ce que moi j'aime Obinna. Elle sait que Obinna est ma vie. Elle sait que je ne peux rien faire sans lui. Alors pourquoi est-ce qu'elle se comporte de cette façon? Pourquoi est-ce qu'elle agit de la sorte? Pourquoi est-ce qu'elle m'efforce d'épouser un étranger? Pourquoi? Oudjou, s'il te plaît, je te comprends. Je comprends, s'il te plaît. Mais, qu'allons-nous faire maintenant? Je pense que j'ai une idée. Une idée? Oui. Oudjou. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Non, 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 ça, ce n'est pas une bonne idée, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, ah. Ok. Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh. J'étais tout juste là, j'attendais voir si Oudjou pouvait passer. Je ne l'ai pas vu depuis quelques jours, ça m'inquiète. Je viens juste de la rendre visite maintenant. Est-ce que c'est vrai? L'as-tu vu? Comment elle va? Comment va-t-elle? Elle va bien où? Juste... Juste que quoi? Hein? Sa maman lui propose de se marier avec un homme riche. C'est lui qui vient de la ville. Quoi? Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que sa mère veut donner ça? Elle veut donner sa mère en mariage à une autre personne? Hein? Je ne sais pas, oh, je ne sais pas. Mais selon elle-même, l'homme qui est venu, c'est un homme riche. Mais elle ne veut pas te décevoir parce qu'elle t'aime beaucoup. Tel est son problème. Ok, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose maintenant? Est-ce que tu peux m'aider à l'atteindre, que tu lui dises que je veux la voir, qu'elle vienne me voir, parce que je m'inquiète énormément. Essaie juste de lui dire quelque chose. Obinna, écoute, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Je suis tellement fatiguée, je dois rentrer à la maison pour me reposer. Je dois me reposer. Écoute d'abord ce que je vais te dire. Tu sais, pourquoi tu veux te donner la mort? Elle est déjà une autre personne. Que veux-tu dire par Oudjou ne m'aime plus du tout? S'il te plaît. Elle ne t'aime plus, je t'ai dit. Quand elle veut donner à une autre personne la chance, cela veut dire qu'elle ne t'aime plus. Mais pourquoi parles-tu comme ça?
Parce que je t'aime. Parce que quoi? Parce que je t'aime. D'accord, je comprends maintenant. Te parler n'est que perte de temps. Comment? Je vais la chercher moi-même. C'est bon, va la chercher. Maman? Bon après-midi, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je suis venu pour voir Ujua. Cela veut dire que tu as le courage de venir dans ma parcelle pour chercher ma fille. Maman, s'il vous plaît, je ne veux rien de mal. Je suis juste venu la voir. Non, tu veux que je dise quoi? C'est juste que je ne l'ai pas vue depuis beaucoup de jours. C'est pourquoi je me suis dit de... Je me suis dit de venir la voir, voir comment est-ce qu'elle se porte, car je pense qu'elle est en train de m'éviter. Qui ne veut pas t'éviter? Pourquoi ne va-t-elle pas t'éviter? Si d'ailleurs l'argent t'évite, la bonne santé t'évite. Pourquoi est-ce que ma fille ne peut pas t'éviter? Mais maman, je suis en bonne santé, non? Tu es en bonne oui, santé? Oui, peut-être que c'est vrai que je manque d'argent, mais je suis en bonne santé. Je suis en très bonne santé. Tu penses que tu vas bien comme ça? Oui. Sans argent? Mon ami, tu ne vas pas bien, tu es fainéant, allez, quitte d'accord, ici. D'accord, maman, s'il vous plaît. Accorde-moi juste une minute, hein? Je promets que je ne vais pas dépasser une minute. Permettez que je la voie. Je ne sais pas, j'ai vraiment envie de lui parler. Permettez juste que je la voie. Écoute, tu abuses de ma patience. Ne réveille pas ces démons en moi. Écoute, si j'entrais dans cette maison et que je revenais, je te trouve d'accord. Ici. Je vais mal maman, réagir. Je m'en vais. Allez, quitte ici. Je m'en vais, oui, je m'en vais. C'est juste que... Lorsqu'elle va revenir, essayez de lui informer. Je t'ai venu la voir. Que je l'informe que tu étais passé ici. Que la foudre s'abatte sur toi. Ujo? Que Ujo t'ait tu. Quitte ici. Je ne te blâme pas. Je blâme ma fille. Si ce n'était pas ma fille, qu'est-ce que tu allais faire ici? Je ne te blâme pas. Idiot. Que je te vois encore mettre tes pieds ici. Je vais te casser ces pieds-là et je vais te déverser de l'eau chaude. N'importe quoi. Je cherche ta fille et je vais voir ta fille. Papa, viens. Hey! Oh, oh! Ah! Obi, s'il te plaît, viens vite. Ah, ah! Oh, papa, je suis là. Viens. Ah, ah! Mais papa, c'est quoi ça, tu es... Mets-toi. Je crois que tout va bien. Tout va bien. Je reviens tout juste de la maison d'Aizé. Là-bas, chez ma Zézé. Tu vois son fils qui vient du voyage. Je discutais avec lui. Il veut aller avec toi en ville pour t'apprendre comment gagner de l'argent. Comme ton ami. Et puis tu auras... Est-ce que tu comprends? Alors prépare-toi à quitter ce village. Papa, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée. Oui. Une très merveilleuse. Mais malheureusement, je ne suis pas encore prêt d'aller en ville maintenant. S'il te plaît, non? Hein? Si je vais en ville maintenant, c'est qui la personne qui va prendre soin d'Ujo? Oui, non, qui va prendre soin d'Ujo? Papa, écoute, tout le monde veut être avec Ujo dans ces villages. Tout le monde est à la recherche d'Ujo. Alors, si je commets simplement l'erreur de quitter ces villages, ce sera fini. Je perdrai directement Ujo. On va directement l'emmener loin de moi. Donc, tu es en train de me dire qu'à cause de Ujo, tu ne veux pas aller en ville pour gagner de l'argent comme tes amis, et juste à cause d'une femme. Ujo n'est pas seulement comme toute autre femme. Ujo et moi avons parcouru un long chemin, et tu le sais.
Je ne veux pas laisser Uju maintenant à cause de quoi que ce soit ou de quelqu'un. Bina, maintenant. Je ne veux pas te voir devant mes yeux. Je ferme mes yeux et une fois que j'essaie de les ouvrir et que tu es toujours là, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Quitte-la. Je dis que je ne veux pas te voir. Papa, s'il te plaît, arrête ça, non? Hein? Je dis, quitte-la. Papa, et tu restes papa, toujours ça là. Suffit. Je veux quitter de ta vue, mais je serai toujours là. S'il te plaît, je suis dans la maison. Hey! Hey-o. Juste à cause d'une femme, mon fils a refusé d'aller en ville pour essayer de gagner de l'argent. Comme ses amis. Ma fille, ça va? J'ai entendu ton père dire à son frère que il veut te donner un mariage. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne veux pas que tu te maries maintenant. Je veux que tu aies l'expérience de la vie. Comment est-ce que les hommes peuvent demander de t'épouser? Avant le temps. Alors, je ne veux plus entendre ce que j'ai entendu de ton père aujourd'hui. Livrer ses filles pour le mariage, c'est tout ce qu'il sait. Et quand tu te marieras, cela deviendra encore un grand problème. Se battre tous les jours, tu n'auras pas la paix. Alors, maman, qu'allons-nous faire maintenant? Avec une grande sœur. Elle est d'accord que tu rejoignes ses enfants en ville. Maman, je dois aller en ville. Oh mon Dieu, maman, es-tu sérieuse? Je deviendrai une fille de la ville. Une fille de la ville. Pourquoi es-tu d'accord? C'est de ce que tu vas les convaincre. C'est ça encore un autre problème. Je suis juste que tu sois d'accord. Je veux parler avec lui. Et je vais les convaincre. Je suis juste qu'il apprécie. Parce que le mariage n'est pas bon. Je ne veux pas ça maintenant. Maman, je prie aussi comme toi parce que j'aimerais vraiment aller en ville. Regarde-moi, non? Oh, est la fille de la ville. Je suis très heureuse, maman. Et que va-t-elle faire là-bas en ville? Pour que l'aïe se déambule par-ci par-là, comme elle le fait dans ses villages? Jamais. Ça n'arrivera pas. Naï! Comment tu peux dire une telle chose pour ta fille? Ce n'est pas possible. Hey, ma nounou, écoute, les enfants de ma sœur ont dit qu'ils vont vraiment prendre soin d'elle. Et ils vont même l'envoyer à l'école. Permets-la de partir. En tout cas, j'ai déjà dit. Ogé va rester dans ses villages. Elle va aussi se marier ici et ce sera fini. Et d'ailleurs, en fait, je commençais à faire des plans pour lui trouver un mari. Quel plan? Le plan de se marier? Hein? C'est ton père qui avait cherché une femme pour toi. Ne t'inquiète pas, continue à me défier. Hein? Nous allons voir. C'est ton père qui avait cherché une femme nous pour toi. Nous allons voir. Tu ne trouveras aucun homme pour elle. Oh. Elle est encore trop petite pour se marier. Arrête ça. Cela n'arrivera pas. Oh. C'est quoi ça? J'ai déjà dit, si tu continues à faire le tutu, tu peux appeler la police. Si je trouvais un mari pour lui, va appeler la police. N'importe quoi. Voilà que j'ose maintenant me défier. Une femme que j'ai amenée dans ma propre maison, la voilà devenir un homme. Ça veut dire quoi tout ça? Hein? Laisse que j'ai trouvé pour elle un mari et puis tu en fais un problème. Je vais te montrer ce que je suis en vrai. Nous verrons ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose que je peux te dire. Quelque chose? Qu'est-ce que ça pourrait être? Parle-moi, s'il te plaît. Dis-moi, mon amour. Je dois aller en ville pour rejoindre mes cousins. Mais mon père refuse. Alors, tu veux aller en ville et que tu me laisses dans ces villages? Mon amour, tu sais que je ne peux pas t'abandonner. Même si je voyage comment. Je t'aime. Es-tu sûr? Très sûr. Écoute, si c'est vraiment le cas, je parlerai à mon père
pour qu'il parle avec ton père afin que il peut quand même essayer de changer ses idées. Tu sais que eux deux sont de très bons amis. Vraiment? Tu veux les faire? Je serai tellement heureuse. Merci. Tu sais que je peux tout faire pour toi. Merci beaucoup. D'accord. L'argent que tu m'avais demandé. C'est pour moi? Oui. En fait, je vais tout prendre. Tout, bien sûr. Oh, merci. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais. Oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci. Tu sais que je peux tout faire pour toi. Ton père m'a dit que tu as refusé d'aller en ville avec le fils de Mazizi. Et tu sais que le fils de Mazizi vit très bien là-bas en ville. Il a deux maisons ici au village. Et si seulement il t'apprenait ses business, dans quelques temps, ta vie va vraiment changer, mon fils. Hein? Maman, mais comment voulez-vous encore que je dise tout ça? Hein? Comment encore? Comment voulez-vous que je l'explique encore? Je ne veux pas aller en ville. Est-ce par force? Hein? Je ne veux pas aller en ville. Je veux rester ici. Je veux rester ici. Si je vais en ville, avec qui vais-je laisser Oujo? Ne sais-tu pas que tout le monde la veut dans ce village? Et s'il te plaît, je ne peux pas prendre cette décision. S'il te plaît, si j'essaie seulement de partir, on va la prendre direct et on va l'amener loin de moi. Oh, mais ne la ferme! Ferme ta bouche! Comment tu peux dire à ta mère que tu n'iras pas en ville à cause d'une femme? Tu dois aller chercher l'argent! Je ne vais pas aller, maman, oui, c'est à cause d'une femme, c'est à cause de vous, maman. S'il te plaît, accepte ma décision. Hein? Accepte ma décision, je ne veux pas aller en ville. Que veux-tu encore que je dise? Ok. Obina, si tu ne pars pas en ville chercher l'argent, comment vas-tu alors épouser Ojo? Je trouverai de l'argent. Je trouverai de l'argent. C'est pourquoi je travaille très dur. C'est pourquoi je me bats. Je fais presque tout. Si je ne suis pas au champ, c'est que j'installe de pièges. Je fais toutes sortes de boulot juste pour gagner de l'argent. Hein? Je vais gagner de l'argent. Ojo a toujours tout supporté, maman. Elle a toujours été là pour moi. Et je ne me vois pas quitter Ojo et la laisser avec une autre personne. Pourquoi non? Je ne peux rien faire sans elle, maman. Je ne peux rien faire sans elle. Je ne peux rien sans Ojo. Hein? Je n'ai pas toujours vu Ojo. Et ça m'inquiète. J'étais parti chez elle l'autre fois, mais sa maman m'avait chassé. Elle ne m'avait même pas laissé dire un mot. Ton problème. Pourquoi ne pas laisser Ojo et puis te concentrer à moi? Comment? Ne vois-tu pas que je t'aime? Essaie un peu d'ouvrir tes yeux. Je ne suis pas jolie. Regarde-moi, non? Qu'est-ce que Ojo a et que je n'ai pas? Bébé, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime, non? Je t'en prie. Tu es folle. Ne t'approche plus de moi. Enlève tes mains. Ne t'approche plus jamais. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Oncle, je suis juste venu te dire que je dois aller à la cité demain pour continuer avec mes affaires. D'accord, ça c'est bon. Et je t'ai venu au village juste pour trouver une femme. Malheureusement, la femme que j'ai dû trouver ne m'apprécie même pas. Et elle n'est même pas prête à se marier. Mais je ne peux pas l'amener à l'encontre de ses désirs. Donc, je m'étais décidé de rentrer à la cité pour trouver une bonne femme de leur côté. C'est ça, mon fils. En tout cas, tu as vraiment raison. Mais l'espoir n'est pas encore perdu. D'accord? Je vais continuer à regarder par-ci, par-là, si je peux trouver pour toi une très bonne femme. D'accord, oncle, merci. Je t'en prie, fils. Je voudrais t'apprécier pour tout ce que tu as fait. Tu es une très bonne personne, oncle. Pas de problème, Michael. Tu es mon fils. Je chercherai toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Une très bonne femme qui t'apportera de la joie, celle qui t'apportera de la joie durant tout le reste de ta vie. Et spécialement celle qui va t'apporter la paix d'esprit. Merci, monsieur. Je t'en prie. Comment je refuse? Comment je refuse? Je refuse. Non, laisse-moi. Ojo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu rejettes quelqu'un de bien qui peut prendre soin de toi à cause de ces garçons inutiles, Ojo? Maman, qu'est-ce qu'il y a?
Je ne veux pas épouser ce garçon. Je refuse maman. C'est Obinna que je veux épouser. Et tu ne peux pas épouser Obinna. Obinna est mon choix. Obinna ne peut pas être ton choix. Comment peux-tu me dire que c'est Obinna que tu as choisi contre ces hommes riches? C'est parce que je l'aime. Ferme-la, inconsciente. C'est quoi l'amour? Maman, n'est-ce pas que tu aimais papa? Regarde, ne me provoque pas. Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Quand tu vas épouser l'un d'eux, tu finiras par les aimer. Maman, je ne vais pas l'épouser. Tu vas le. Où tu reviens ici? Maman, je refuse. Tu vas les. Où tu reviens ici? Où tu reviens? Où tu reviens? Où tu reviens ici? Reviens ici. Chaque me like a me. If I not love you, what can I do? Is it the crime of to love? Viens là, viens là. Tu blagues avec moi. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, avertis Adao. Avertis cette fille, parce que j'en ai assez de toutes ces choses dans cette maison. Hein? Pourquoi serait-elle en train de m'insulter n'importe comment? Elle m'insulte n'importe comment dans cette maison. J'en ai assez, oh. J'en ai assez. Hey. Hey, arrête ça. Écoute, elle va continuer à t'insulter dans cette maison. Jusqu'à ce que tu vas te décider de quitter cette maison pour aller en ville et gagner de l'argent. Gagner de l'argent comme tes amis, Obinna. Oh, papa. Donc tu es l'architecte de tous ces problèmes. Hein? Hein? Tu es celui qui l'encourage, tu es celui qui lui donne du pouvoir pour m'insulter, c'est ça? Hein? Elle a de la chance aujourd'hui. Tu as de la chance, sinon j'allais écraser ta tête. Si tu oses lever ta main, si tu oses lever tes sales mains sur ma fille. Est-ce que je ne suis pas ton fils? Hein? Est-ce la seule à qui tu as donné naissance? Ne suis-je pas ton fils? Pourquoi est-ce qu'elle va commencer à m'insulter à n'importe comment? Essaye alors. Essaye de le faire et tu sauras ce qui est le propriétaire de cette maison, Obinna. Cette maison m'appartient. Tu es mon père. Alors si quelque chose essaie d'arriver, ne vais-je pas prendre la responsabilité de cette chose? Oh, tu pries maintenant pour que je meure. Je ne vais pas mourir. Obi, va en ville. Va faire de l'argent. Dois-je aller en ville pour gagner de l'argent? Oui. Papa, beaucoup de gens, nombreuses de personnes riches dans ces villages, ont gagné de l'argent à partir d'ici, ici. Hein? Suis-je obligé d'aller en ville avant que je gagne de l'argent? À tout moment, tu me dis, va en ville. Je vais gagner de l'argent à partir d'ici. Mon destin se trouve dans ces villages. Alors, sois prêt pour qu'elle t'insulte. Elle a de la chance. Elle a de la chance. Prochainement, elle dit bam, sa tête boum, l'essence sera partout. Idiote. Regarde-les. Et toi, pourquoi vas-tu insulter ton grand frère? Papa, je ne l'ai pas incité. J'ai juste dit que c'est un homme rappeur. Pourquoi vas-tu l'appeler par ce nom? Pourquoi? Il est ton grand frère. Va dans la maison, va finir ce que tu étais en train de faire. Mais, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais pourquoi as-tu ces terres? Ce n'est pas Mama Oju. Elle m'a vue au marché aujourd'hui et elle a commencé à m'insulter. Elle me dit de dire à Obinna de laisser sa fille tranquille. Hein? Mama Oju, elle t'a insulté au marché? Mais fallait voir comment ce qu'elle était en train de me parler. Elle me dit que Obinna dérange sa fille. Et qu'elle respecte tout ce qu'on a pu faire pour lui. Sinon, elle n'allait pas être traite avec légèreté. C'est bon, ma chère. Ne permets pas que ceci te dérange, ok? Va à l'intérieur, va déposer tout ce que tu es venu avec. Va le déposer à l'intérieur. Où est-il, Obinna? Obinna venait tout juste d'être là. Je crois qu'il est sorti ou peut-être qu'il est dans la maison. Obinna! Obinna! Depuis deux jours, je n'ai pas vu Oju. Est-ce qu'elle est en train de m'éviter ou bien quoi? Dans tous les endroits où nous nous rencontrons, elle n'est pas passée là-bas. Est-ce qu'elle fréquente maintenant une autre personne? Mais non. Oju ne peut jamais faire une chose pareille. Tout le monde dans ces villages sait que Oju m'appartient. Ou bien, dois-je encore aller chez elle? Mais je ne veux pas de problème avec sa mère. Je ne sais pas juste pourquoi cette femme me hait autant. Ah.
mon amour. Mais où étais-tu passée? Je me suis énormément inquiétée. Je suis désolée. C'est juste que moi et ma mère avions connu de problèmes à cause de l'homme qu'elle m'impose à épouser. Je suis désolée. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tu m'as aussi manqué et tu m'as le plus manqué. Et je suis désolée pour peu importe ce que tu as pu traverser, ok? Ce n'est pas de ta faute, ok? Ça revient à ma mère. Ce n'est pas la tienne. Je t'aime beaucoup. Rien ne peut nous séparer, ni encore ma mère. Je t'aime très fort. Je t'aime énormément. Tu m'as beaucoup manqué. Merci de m'aimer. Merci de croire en moi. Je promets que je ne vais jamais te décevoir, ok? C'est toi que j'aime. Je t'aime aussi. Oui, je t'aime. Je t'aime énormément. Comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi cette expression? Laisse, comment va maman d'abord? Maman va bien. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Devine quoi? Comment je veux deviner? Devine, non? Veux-tu te marier? Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ok. Mais vas-y, parle. Ok, attends, je te dis. Ok. Je vais aller en ville à très bientôt. C'est pas vrai! Tu pars en ville? C'est mes cousins qui m'ont appelé là-bas, c'est pourquoi je vais partir. Oh mon Dieu! Je suis contente. Qu'est-ce que tu pars faire là-bas? Vas-y, dis-moi d'abord, raconte s'il te plaît. Oui, non, laisse-moi quitter ce village, non? Hey. Je suis condamnée à rester dans ce village. Ah, c'est bien pour c'est toi. C'est comme si j'attendais quelque chose de ce village. Ah, oh, c'est une bonne chose pour toi. Mais je suis heureuse. Je suis contente très pour toi, oh. Je pars en ville. Ah, c'est très bien. Hey. Félicitations. Merci. Merci. Regarde merci. Mon ami, oh. Hey, c'est très bien merci, pour toi. Merci beaucoup. Tu vas me manquer, oh. Tu vas aussi me manquer, mais t'inquiète. Je vais commencer à venir de temps à autre et je te promets que je vais t'inviter quand toute chose sera bien. Oh, c'est vrai? Oui, non. Ma mère, ma chérie, franchement, je te dis. C'est gentil de ta part, ma chérie. Mais si, pourquoi son nom, ami? Hey. Alors, tu pars quand déjà? Demain matin. Et tu es sérieuse? J'ai dit que tu dois être la première personne à l'écouter. Ah, ma chérie bien-aimée. Oui. C'est vraiment si gentil, hein? Si tu arrives là-bas, ne m'oublie pas, ma chérie, s'il te plaît. Ah non. Oh, bim. C'est quoi le problème? Tu ne me dis même pas un mot. Pourquoi es-tu triste? Je pense à aller en ville. Au moins, laisse-moi aller me battre là-bas, comme tout autre jeune homme qui vit là-bas. Je veux aller faire de l'argent afin que je revienne pour t'épouser. C'est une bonne idée. Ah. Oui, c'est normal que tu vas me manquer. Ogé aussi vient de voyager, mais tu dois chercher l'argent. Tu dois aller chercher pour venir prendre soin de moi. Alors, pourquoi es-tu triste? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas assez d'argent qui peut me conduire jusqu'en ville. Je n'ai pas ça du tout. Et je ne peux pas aller auprès de mon père pour aller demander quelque chose maintenant. Parce que lorsque cette opportunité était venue pour la première fois, il voulait que je voyage et moi j'avais dit non. Parce que je ne voulais pas te perdre.
Mais maintenant, je viens de réaliser que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour prendre soin de toi et que je fasse de toi mon épouse avant qu'un autre homme vienne t'emmener loin de moi. S'il te plaît. Ok, c'est bon, j'ai compris. T'inquiète, je verrai ce que je pourrais faire. Hein? Tu vas voyager. Hein? Merci énormément, mon amour. Merci aussi de toujours croire en moi. Merci. Écoute, je t'ai promis de ne jamais te décevoir. Hein? Je vais aller là-bas et je veux m'assurer que je gagne de l'argent. Je veux aller gagner de l'argent et je veux revenir pour t'épouser. Es-tu sûr? Je veux me battre. Nous devons oui, bien. Oui, je veux me battre. Je ferai tout ce qui sera à mon pouvoir. Je t'aime. Je t'aime énormément. Ah, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Oui, c'est vrai. Ferme tes yeux. Qu'est-ce que c'est, mon amour? Ouvre tes yeux. Et où? Mon amour? Hein? Mais c'est de l'argent, non? Mm-hmm. C'est l'argent. C'est mon Dieu, mais en tout, c'est 20 000 naira. Oui. Hey! Mon amour, où est-ce que tu as pu trouver cette somme d'argent, hein? Cet argent est plus qu'assez. Je sais que c'est beaucoup, mais tu en voulais pour voyager, n'est-ce pas? Ah, oui. Alors voici l'argent. Je veux que tu partes là-bas en ville, hein? Pour faire notre fierté. Hein? Approche-toi. Merci énormément. Merci. De rien. Mon amour, je crois que tu n'as pas volé pour que tu me donnes cette somme d'argent. Chut, pourquoi tu dis ça? Où pourrais-je voler ça? Est-ce que cette somme est plus cassée? Non, mais... mon amour, je l'ai trouvée dans une très bonne source. Chérie, va en ville, trouve de l'argent et viens faire notre fierté, je t'en prie, mon amour. Merci énormément. Merci, tu vois maintenant pourquoi je t'appelle mon tout? Tu es mon tout dans tout. Je ne vais jamais te décevoir. Hein? Et je ne te décevrai jamais. Je ne trouverai pas notre homme en dehors de toi, mon amour. Ah, ils ne doivent pas venir. Oh. Personne, mon amour, t'inquiète. Pas... Je suis d'ailleurs en train de venir pour t'informer que j'ai pu contacter un de mes amis là-bas en ville. Alors, il a dit que je peux venir. À tout moment que je serai disponible, il a dit qu'il peut m'aider à me lancer dans deux ou trois affaires. Tu es déjà prêt, chérie? Oui. Tu as l'argent en main? Oui. Oh, mon amour, je t'aime. Ah, merci. De merci. Rien, mon amour. Merci. Merci. Où est mon argent? Et me dis encore quel argent? Maman, de quel argent parles-tu? Attends, tu crois que je blague? Maman, je ne comprends pas. Je blague avec toi. Où est l'argent que j'ai déposé là-bas? Et n'est-ce pas que nous habitons ici à deux? Maman, je n'ai pas volé ton argent. Et tu ne sais pas, c'est ça? Je n'ai pas vu ton argent. Et tu ne sais pas? Tu penses que je blague? Où est mon maman, argent? Donne-moi mon argent. Plus, je vais te gifler. Dis-moi où est mon argent. Je ne blague pas avec toi. Où est mon argent? Je n'ai pas volé ton argent. Tu connais... Qu'est-ce que tu veux dire? Où est mon argent? Je vais te gifler pour rien. Où est mon argent? Je t'écoute, parle. Maman. Hein? Je... Tu as fait quoi, non? Tu ne t'es plus parlé. Maman, s'il te plaît, je l'ai donné à Obina pour qu'elle parte en ville. Tu as fait quoi? Maman, attends. S'il te plaît, il peut chercher l'argent comme ça, il va te le rembourser. T'inquiète, maman, il va le faire. Tu as donné à Obina l'argent de mon dire la mère? Oujou? Maman? L'argent de mon dire la mère? Il va le rembourser, il peut travailler comme ça, il viendra m'épouser. T'inquiète, maman. Et puis, comme toi, tu donnes l'argent au garçon. Tu as pris tout mon argent de Dieu la mère. Eh, Oujou, mon Dieu la mère. Maman, et tu as donné ce garçon inutile, Oujou. Je ne suis pas une voleuse. Oujou, tu es une voleuse. Tu as pris tout mon argent. Maman, et tu as donné à cet homme. Eh, Oujou. Oujou, allons chez eux maintenant.
Je ne sais pas. Je ne vais pas prendre mon argent. Oui, maman, je vais te taper. Je ne vais pas avec toi. En avant, marche. On y va. Maman, non, laisse-moi. Oujou, je ne vais pas te suivre. Passe comme ça. Oujou. Oujou, allons. Non, je ne vais pas. Oujou. Maman, je ne vais pas. Tu penses que je blague avec toi? Tu crois que je suis en train de blaguer? Maman, Mina, c'est quoi les problèmes? Pourquoi tu entres comme où ça? Où se trouve ton fils, est-il, Mina? Où est-il? C'est quoi les problèmes? Bien, bonne question. Attends, maintenant, je vais te répondre. Ton fils, Obina, a convaincu ma fille à me voler. Il a volé tout mon argent. 50 000 naira pour donner à Obina. Maman, c'est 20 000. Imbécile à m'appeler maman, tu m'appelles maman avec des bêtises que tu as dans la tête. Madame, s'il vous plaît, j'ai besoin d'avoir cet argent. Entre à la maison, donne-moi mon argent. C'est bon, argent. Je vais te donner ton argent. Vas-y, j'attends. Je vais payer, mais j'en ai pas maintenant. Je te promets que je vais te payer. Vous testez ma patience, hein. Madame, entre chez toi, donne-moi l'argent. J'ai dit que je vais payer. Je t'en supplie. Je vais te payer. Je vais payer. Je promets que je vais te payer. Obina est allée en ville il y a 2 jours. Hé! Hey, mon Dieu! Avec mon argent! Obina est partie en ville avec mon argent! J'ai dit que je vais payer, je vais payer. C'est bon, je promets de payer. Juste donne-moi un peu de temps. Je te donne juste une semaine. Juste une semaine, je vais avoir mon argent. Une semaine! Si je revenais dans ces délais et je n'ai pas mon argent. Ah, madame, tu ne m'auras pas ce que je vais faire. Je te donne juste une semaine. On s'entend? Alors? Laisse-moi l'aider à nettoyer. Hé, toi, imbécile, tu veux l'aider à faire quoi, balai? Allons-y là-bas. Vous m'aviez écouté, madame, une semaine. Ne t'inquiète pas, une semaine. Je vais payer, je vais payer. Tu es malade. Tu veux l'aider à balayer, parce que là-bas, tu as déjà fini à travailler. C'est quoi cette merde? Regarde-le. Regarde-le toi-même. Et vois le déshonneur. Ton fils nous a causé. Que je remette mon babouche, même s'il s'est déplacé de mon pied. Regarde la sorte de déshonneur que ton fils nous a apporté dans cette famille. Si ton fils avait suivi le fils de Mazézé en ville, lorsque je lui avais dit, cette disgrâce n'allait pas avoir lieu. Papa Obina, tu sais que Oudjou avait donné de l'argent à Obina pour aller en ville. Nous devons trouver l'argent pour lui rembourser. Nous devons payer cet argent-là. Nous? Non. Toi seul payeras cet argent. Moi? Tu vas payer cet argent. Mais Obina est notre enfant, non? Il est ton fils. Et tu payeras cet argent. Ne m'inclus pas. Hey! Tu payeras cet argent. Ne m'inclus pas. Il n'y a pas de souci. Je vais chercher cet argent. Et je vais le payer. Vas-y, paye. This love on a forever together. Je suis très 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 heureux pour toi, mon cher. Mon cher. Je suis très heureux pour toi, mon cher. Waouh. Et tu vois ce travail d'enseignement? Bon, du moins tu vas bien gérer, hein. Jusqu'à quand tu auras un très bon travail. Tu sais. Pour le moment, tu n'as pas de choix. Il faut juste gérer avec ce petit travail. Ah, Brad, tu as raison. Mais je le dois tout à toi, mon cher. Merci énormément pour tout. Tu as toujours été un frère, tu as toujours été un soutien. Je veux dire, tu m'as donné un abri, tu m'as nourri. Mais tu sais que tout, c'est toi. Oh, bon sang. Merci énormément. Cependant, ces boulots d'enseignement... Ce boulot n'est pas mon lot. Je ne sais même pas par où commencer. Mais que puis-je faire? On dit toujours vaut mieux un que zéro. Heureusement que tu as compris ça. Mais vaut mieux un que zéro. Oui. Alors, tout ce que tu dois faire, c'est gérer ce travail. D'ailleurs, je vais te laisser pour ton travail demain. C'est ton premier jour, d'accord? Oui. Et ça va aller. Mon cher, j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps de repos. Alors, entre dans le train.
Tu es comme un bébé, non? Pourquoi mettras-tu comme ça? Vraiment. Est-ce que c'est à cause du boulot? C'est pour ton premier travail, c'est, n'est-ce pas? Oublie ça. Vraiment. Bonjour, messieurs. Si vous permettez, vous. Premièrement, mon nom est Obina Amandianese. Oui, et je suis votre nouveau professeur d'agriculture. Et s'il vous plaît, pouvez-vous m'accueillir? Bienvenue, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que je peux connaître vos noms? Chris Ogenero. Grâce? Ogenero. D'accord. Je m'appelle Marie-Paul. Marie-Paul. Mon nom, c'est Jenny. Jenny quoi? Jennifer. Jennifer qui? C'est quoi le nom de ta famille? Malta. D'accord, c'est bon. Mon nom est Oluchi, monsieur. Oluchi Wafo. Avez-vous vu ce nouveau monsieur-là? Il est trop mignon. Sérieusement, les filles, mes yeux sont braqués sur lui en l'imaginant ni devant moi. Marie! C'est comme si je l'admirais. C'est comme si tu les connais déjà, n'est-ce pas? Oui, oh! Écoutez. Vous devez me laisser cet homme. N'essaye même pas. Il est à moi. Et à calme moi, d'abord. Qu'est-ce que tu es en train de dire là, non? Qu'est-ce que tu dis, Stella? Écoutez-moi, allons d'abord voir le monsieur en question. S'il choisissait l'une d'entre nous, il n'y a pas de problème. Au cas contraire, il peut prendre nous trois. Ce n'est pas un problème encore. Dites-moi, n'est-ce pas que c'est bon? C'est bon. J'accepte. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Je m'appelle Sarah. Je sais. S'il vous plaît, monsieur, je veux savoir où est-ce que vous restez. Comme ça, je pourrais venir laver vos vêtements. Et aussi, nettoyez-vous. Sarah, s'il te plaît, arrête, ok? Tu ne peux pas venir chez moi pour préparer ou pour laver des habits ou faire quoi que ce soit, d'accord? Je veux que tu te focalises sur tes études. Est-ce que tu comprends? Très bien. N'essaye plus jamais de faire ça. N'essaye plus de faire ça. Ok, monsieur. Bienvenue, monsieur. Mettez-vous. Hey, cher monsieur. Mais c'est toi que j'appelle. Mets-toi comme il faut. Ben. Je t'avais cherché. Pourquoi n'étais-tu pas venu me voir? Désolé, professeur, j'avais oublié. Viens. J'ai appris que tu frappes les filles dans cette classe. Et pourquoi le frappes-tu? Professeur, ce sont les filles qui ne savent pas respecter les hommes. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Ce sont les filles qui ne savent pas se comporter avec les hommes. Est-ce que tu entends ce que tu dis? Pourquoi peux-tu faire ça? Es-tu stupide? Es-tu fou? Peux-tu rentrer à ta place, idiot?
tu te permets aussi de me raconter toutes tes bêtises. Ce n'est pas de ta faute. N'importe quoi. Ça, ce n'est pas vrai. La classe, je suis sincèrement désolé pour tout ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, nous parlerons de toutes les techniques agricoles. Honnêtement, je ne peux pas comprendre que le principal m'a appelé pour me gronder. Juste parce que j'ai puni cet élève têtu dans ma classe pour avoir frappé une fille de ma classe. Honnêtement, je ne suis pas surprise. Tels sont les élèves de cette école, ils sont toujours comme ça. Mais ce n'est pas censé être ainsi. Exactement. Voilà comment cela est censé être. Hein? C'est pourquoi je t'avais dit que je n'aime pas enseigner. Je ne l'aime pour rien au monde. Je suis un vrai garçon du village. Je suis un fermier et c'est ce que j'aime faire. J'aime mes affaires. Et je suis d'ailleurs ici parce que je n'ai pas d'autres options. Alors, quelle est la conclusion à propos de tout ça? Quoi encore? Il dit que je dois le voir demain. J'irai dans ce cas le voir demain. Tout ce qu'il veut, qu'il continue et qu'il le fasse. Je suis fatigué de tout. Calme-toi. Je ne vais pas me calmer comme ça. Robina, c'est moi Tobé Chukwu qui t'appelle. Tobé Chukwu? C'est bien moi. Tobé Chukwu de mon village? Mais voici un chéri en os. Le même que je connais? Le même Tobé Chukwu. Tobé Chukwu qui a laissé? C'est moi bro, je te salue. C'est, oh, c'est Dieu. Toi. Oh mais regardez-moi cette façon. Est-ce que c'est toi? Tu m'as énormément manqué. Alors tu as toujours été dans cette ville? Je suis ici il y a un moment, je viens du Canada. Canada? Hey! Voyez-moi Tobé Chukwu. Mon pote. Viens ici. Tu vois ces gens, ils ne savent pas d'ailleurs conduire. Tobé? C'est bien moi, mon cher ami. Où est-ce que tu vas? Je reviens tout juste de là où je travaille. Alors monte, je vais t'accompagner. C'est l'une de mes voitures. L'une de mes voitures, bro. J'ai de l'argent. Entre. Entre, Tobé, on va partir frère. Ensemble. Venez voir ce qu'est devenu Tobé. Tobé Chukwu. Mon ami. Mon cher, Tobé, tu m'as vu, non? La vie n'a pas été bonne avec moi, oh. Pas du tout, elle n'a pas été bonne. Il y a toujours eu le haut et le bas. Est-ce que tu comprends? Et depuis que je suis arrivé dans cette ville, elle me tourne et moi aussi je la tourne. Je recherche du boulot, presque partout, je recherche du boulot. Et mais heureusement que je peux trouver un boulot d'enseignement grâce à mon ami Emeka. Moi, qu'est-ce que je sais pour l'enseignement? Mais je n'ai pas de choix, je dois quand même les gérer. Je leur enseigne le peu que je sais, non? Voilà un peu où je me tiens. Un peu tout ça. Finis avec les questions à mon sujet. Je veux aussi savoir à ton sujet, mon cher. Mon bro. Essaie de mettre à jour. Où est-ce que tu as pu trouver tout ce que tu as maintenant? Je veux dire, l'argent, les voitures. De même, je crois que je connaissais le moindre. Et au plus haut. Dis-moi un peu quelque chose, non? Bro, c'est une longue histoire. Bien. Quand j'étais allé en ville, quelques années plus tard, je suis allé voir l'un de mes oncles. C'est lui qui m'a fait voyager au Canada. Il m'a initié dans les affaires, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai construit même une maison au village maintenant. Tout à fait. Tu fais construire une maison? Hey! Mon pote, il y a de l'argent, oh. Je vois. Tobé, tu as de la chance, oh. Tous mes oncles sont restés là-bas, au village. En train de se battre pour les terres, de choses comme ça. Hein? C'est bien comme je t'ai rencontré. J'étais beau chercher partout. J'étais cherché. D'ailleurs, j'ai besoin de t'aider. Je vais t'aider. Tu veux m'aider? Je vais t'aider. Je me rappelle quand on était à l'école secondaire. Tu m'aidais avec beaucoup de choses. Surtout les devoirs et autres choses. Tobé.
je vais t'aider. Bien, je vais rentrer au Canada. Je vais rentrer au Canada. Si tu es libre, tu peux rentrer avec moi. Tobé, tu veux m'emmener au Canada? Bien sûr. Si tu es libre, je vais t'emmener. Grand mensonge. Tobé, tu es en train de mentir. Donc, tu veux que je te trouve au Canada? Mon frère, je vais t'aider. C'est mon tour de t'aider. Hey! Je vais t'aider. Tobé, du coup, merci énormément. Merci, mon cher. Merci énormément. Je suis très content, mon cher. Dieu va te bénir. Hey, Jésus. He has done it for me, oh. I will lift him higher, oh. He has done it for me, yo, yo, yo. Je ne sais même pas pourquoi tu chantes. Pourquoi tu chantes, mon cher ami? Pourquoi? Et puis tu m'as rejoint. Hey! Emeka, l'Éternel l'a fait où? L'Éternel l'a fait pour moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher? Oui! Hey! Ah, mon Dieu. Parle, 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 mon cher. Je n'aime pas les suspens. Parle. D'accord. Maintenant, écoute. Pendant que je revenais maintenant, j'ai rencontré mon ami de classe, Tobé Chukwu. Fallait au moins que tu voyes Tobé Chukwu. Tobé Chukwu a pu gagner beaucoup d'argent. Et il est actuellement un riche. Tobé Chukwu, je l'ai rencontré. Je veux dire, il conduit une très grosse voiture. Hey! Mais ce n'est pas ça l'histoire. Oh. Pour raccourcir la longue histoire, je voyage pour aller au Canada. Comment? Tobé m'a dit que je dois commencer à m'apprêter pour qu'il m'amène au Canada. T'emmener toi? C'est moi qui avais l'habitude de faire tout le devoir de Tobé Chukwu en classe. Et c'est à lui de me payer en retour. Tobé est là pour me payer en retour. Ah, mon cher, c'est pas normal. C'est intéressant. Donc, Tobé Chukwu veut t'emmener au Canada, comme ça. Ah, mon cher, c'est vraiment intéressant. Bravo. Maintenant, tu vois ça. Tu as vu comment tu as été payé. Est-ce qu'il y a du pain? Tu sais que je t'ai toujours dit, un jour Dieu fera quelque chose. Regarde maintenant comment les choses se sont passées. C'est non comme ça. Ah, mon cher ami. Ah, mon cher. Voilà, c'est une réalité. Voilà comment tout est en train de changer. Félicitations, mon cher. Félicitations. Dieu te bénisse. Merci, mon frère. Essaie juste de te calmer. Ne sois pas si excité. Oui. Est-ce que tu comprends? Alors continuons à prier. Non, ça va aller, mon cher. Ça va marcher. Ça va marcher, non? Je connais Tobé Chukwu. Tobé Chukwu est un homme qui tient à sa parole. Tu ne verras personne avec ce genre de voiture. Et que cette personne vienne te dire n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai fait les spaghettis. Oui. D'ailleurs, viens, il faut manger et boire beaucoup, viens. On doit beaucoup boire, mon cher. Attends, deux bouteilles. He has done it for me, eh. I will lift him higher, oh. Jehovah, eh. Mon frère, je te vis dans mon rêve la fois dernière. Quand tu attaquais ta femme avec une machette. Et c'était vraiment vrai. Moi? Attaquer ma femme? Oui. Au nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé. Et je sais de te conseiller pour faire paix avec ta femme. Parce que je sais que ces problèmes de deuxième femme causent beaucoup de problèmes dans ta maison. Donc tu veux que je l'accepte juste en me donnant de fille? Hein? Mon frère. Je comprends ce que tu ressens. Et au cas où tu as amené une deuxième femme et commences à donner naissance aux filles, que ferais-tu? Alors maintenant, ta fille est enceinte. Prions seulement pourvu qu'elle mette au monde un garçon. Avec ces petits garçons, tu peux les garder et faire paix avec ta femme pour que vous n'arrivez pas à vous tuer. Je sais exactement ce que je vis dans mon rêve. S'il te plaît, mon frère, pense-y. Nous sommes frères. Voilà pourquoi je te conseille. Nous ne pouvons pas interroger les dieux. C'est aussi facile que ça.
mon cher. Est-ce que ça va? Es-tu sérieux? Hey, mon cher! Dieu va te bénir, oh! Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Dieu va énormément te bénir. Merci, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Hey! Oui, non, tu ne sais pas combien comment je suis très content. J'ai énormément apprécié. Tobechuku, tu es celui qui le mérite. Tu le mérites, mon cher. Merci énormément. Merci. Ah. Hey! Mon Dieu! 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 Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est? Mon cher, hein? Mes documents sont disponibles. Hein? Tous mes documents sont disponibles. Es-tu sérieux? Emeka, en ce moment, quand je te parle, je veux voyager pour le Canada en moins de 5 jours. Hey! Hey! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Es-tu sérieux, mon frère? Oui. Oui. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Gloire au grand roi. En tout cas, félicitations, mon cher. Félicitations. Mmh. Tu as gagné. Tu as vraiment gagné. Je suis fier de toi, bro. Et tu n'as aucune idée, mon cher ami. Tu sais, j'ai comme l'impression que c'était moi le bénéficiaire. Tu es mon frère, non? Emeka, crois-moi que tu as énormément fait pour moi. Vraiment, vraiment. Je ne sais même pas dire comment tu es tellement bon. Vraiment. Écoute. Vraiment, waouh. Je vais toujours penser à toi. Vraiment. Ok? Écoute, nous allons faire ceci entre toi et moi. Ce dont je peux t'assurer, c'est que, une fois que j'arrive au Canada, et que je commence à travailler, et que je commence à gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent, hein, je ferai aussi des démarches pour toi, pour que tu viennes vivre au Canada. Je t'assure, mon cher. Et c'est comme une manière de te prouver ma gratitude envers toi. Wow, félicitations. Merci. Merci. Merci énormément, mon cher. Attends. Est-ce que... Hey, maman Bina. Maman Bina. Non, papa Bina. Viens. C'est quoi les problèmes? Viens, mets-toi. Hey, ton fils vient tout juste de m'appeler. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va très bien. Ok. Mais son ami qui vit à l'étranger veut qu'il aille avec lui de l'autre côté là-bas. Tu veux dire? Son ami qui habite aux États-Unis veut venir là? Oui! Hey! Dieu! Tu veux dire? Hey! Seigneur, je suis d'accord, très contente! Papa mais... Obina, je suis très contente! Je suis très contente! Je suis contente! Merci! Attends d'abord! Okay. Il a dit que son ami dit qu'il va tout sponsoriser et il ne va payer aucun naira! C'est pas vrai! Hey, Papa Obina, tout se passe bien pour eux! Oh mon Dieu, merveilleux. Ok. La bouche. N'essaye de le dire à personne. Okay. Tu connais ce village. Il est rempli de jalousie et d'envie. Afin que leurs yeux ne soient pas sur notre fils Obina. Je ne dirai personne. Hey! 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 Je suis très contente. Laisse-moi voir. Hey! Ce n'est pas vrai. Regardez juste. Hey! Dieu! Dieu merci! Mon fils voyage pour l'étranger. Voilà maintenant. Hey! C'est comment là-bas en ville? Oh! C'est vrai? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a?
Obi, tu veux aller à l'étranger? Tu vas monter l'avion? Hey, c'est une bonne nouvelle, oh! Ne m'oublie pas là-bas, oh! Ok, c'est bon. Bye bye, oh! Hey! Mon Obi part à l'étranger. Mon Obi n'a pas monté l'avion. Hey! Mais s'il voyageait maintenant, Obi ne va pas m'oublier. Il ne va pas suivre ces femmes blanches-là. Et me laisser. Oh. Tu sais comment est-ce que je souffre ici pour toi. Tu sais que tu ne le feras pas. Je sais que tu es un bon chrétien et que tu vas craindre Dieu. Là-bas est très bonne pour toi. Ma chère, tu peux encore les dire. La vie est très bien. Hey. Tu m'as beaucoup manqué, mon ami. Hey, la vie est devenue très belle là-bas pour toi, ma chérie. Regarde-toi. Ah, tu es toute belle. Merci. Tu ne parais pas aussi mauvaise. Comment vas-tu? Je vais bien. Je venais chez toi à la maison. Oui. Bon, moi, je pars puiser de l'eau. Tu n'es pas rempli encore? Non, je n'irai plus. Passe-moi à la maison, pas maman. Ma chérie, s'il te plaît, prends-moi. Prends-moi juste une photo, je t'en prie, pardon. Juste une photo. Tu es tellement belle avec cette pose. Ça, c'est quelle pose? Vas-y, prends la photo, prends la photo. Vas-y, c'est rien. C'est une pose, non? Fais-les descendre par terre. Oui, comme ça. C'est fait. Ah, regarde, ma chérie, merci. Allez-y, fais ça. Montre. Regarde. Ma chérie, tu es toute belle, je te dis. Merci. Regarde ton sac. Non, c'est très joli, je te dis. Merci. Regarde tes plantes. Merci. Hey, non. Ok. Hey, la vie est merveilleuse. Oh. Ah, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'arrive. Ok, de retour. Ma fille, c'est bien toi? Oui, maman. Tu es tellement jolie, je veux bien. Je veux bien. Oh, à part ça, ma fille. Oh, regarde comment tu es jolie. Tu es revenue? Je veux bien. Oh, oui, regarde ton ami. Ça, c'est bien. Permettez-moi de rentrer à la maison, non? Comme ça, vous allez discuter ensemble. Ok, maman. Sois la bienvenue. Merci, maman. C'est bien. Oh, Ede, tu cours. Ma chérie, viens t'asseoir d'abord. Viens, assieds-toi ici. Prends place. Ma chérie, tu m'as beaucoup manqué. Oh. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment va Obina? Obina va bien. Il va très, très bien. Devine quoi? Quoi? Obina voyageait pour l'étranger. Quoi? Es-tu sérieuse? Oui, ses amis lui ont envoyé une invitation et il a voyagé. Wow. Donc, tu dis qu'Obina n'est plus de ce village. C'est une très bonne nouvelle. Je suis contente pour toi. Oh. Je suis très heureuse pour toi. Ouais, je sais. Pourquoi ton visage est comme ça? Tu ne parles pas heureuse. Je vais très bien, Ogé. Ça va bien. C'est juste que j'ai très peur. Peur? J'ai peur, oh. Peur de quoi? Que veux-tu dire par là? Obina a voyagé pour l'étranger. Mm-hmm. Et s'il est arrivé là-bas et qu'il s'attrapait une fille blanche, qu'est-ce qui va arriver? Ah non, Oudjou, arrête ça s'il te plaît. Obina, qui je connaisse, ne peut pas faire ça. Écoute, Obina t'aime beaucoup et toi également. Il ne peut pas faire ça. S'il te plaît, calme-toi et arrête de penser sur ça. Je suis très heureuse pour toi, hein? À très bientôt, tu vas le rejoindre là-bas. J'irai aussi avec lui. Je t'ai dit.
plus vivement. Oh. Papa, s'il vous plaît, je vous avais apporté ça. Ogé, tu m'as apporté tout ceci? C'est vraiment ça, papa. Tu as dit que je fasse avec. Oui, oui. Oui, papa. Mon frère. Fais avec. Ogé, je suis très heureux de toi. Tu vois, c'est la raison pour laquelle j'ai conseillé ton père de te laisser voyager. Parce que je savais que tu feras fier de nous. Merci, papa. Laissez-moi vous laisser continuer votre conversation. Oh, ma chère. Je suis à l'intérieur. Merci beaucoup. Hé, hey, ça fait plaisir, mon frère. Notre fille a commencé à gagner de l'argent. Regarde, tout homme qui cherchera à prendre sa mère pour le mariage, il doit avoir de l'argent. Oh. Tu as raison de le dire. Ma fille doit être comme ça. Hé, hey. Elle est mon plus grand investissement numéro un. Hé, hey. C'est comme ça qu'elle doit être. Ce n'est pas cet homme pauvre-là qui viendra pour épouser ma fille. Quelle horreur, ça. Je viens de penser à ça. Quand est-ce que tu m'as conseillé d'envoyer ma fille en ville? Je disais, je ne veux pas que je sois un mauvais oncle. Donc tu as quand même essayé de... Ah, tu sais de quoi je vais dire exactement. Et tu profites. Vraiment. Hé, hey, je ne veux pas être un mauvais oncle, oh. Et Ogé, okay, tout ira bien avec toi. Amen. Comme tu t'es rappelé de moi, moi ton oncle, vraiment tu as songé à moi, moi ton oncle. Oh Uche, que les dieux de notre terre te bénissent. Hey, hey mon frère. Mm-hmm. Oh. En tout cas, c'est une grande joie. Hey. De voir ma fille évoluer. Justement, que l'aide des dieux du ciel soit sur elle. Vraiment. Ça fait joie. Kéti? Oui, papa. Où est ton frère? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Qui avait pris l'argent que je laissais ici? L'argent? Oui. Je n'ai pas vu l'argent. Kéti, je demande qui a pris l'argent que je laissais dans ses pantalons. Papa, je t'ai dit non. Je n'ai pas vu d'argent. Tu sais, ça fait un mois que je n'ai pas vu l'argent passer dans mes yeux. Sommes-nous combien dans cette maison? Toi, Nonso et moi. Et tu me dis que ce n'est pas toi qui avais pris l'argent que je laissais dans ma poche. Papa, tu peux voir, je suis très occupé avec mon téléphone. Je te parle. Tu me réponds que tu es très occupé avec ton téléphone. Vas-y, remettre mon argent. Que tu vas me donner de l'argent. Papa, laisse-moi, non, je n'ai pas pris d'argent. Ah. Que tu... Ah, ah. C'est quoi cette histoire de mon bête avec l'argent que je n'ai même pas vu passer dans mes yeux? Donc, Kéti, tu me défies. Kéti, c'est toi qui me réponds comme ça? Je ne sais pas pourquoi tu refuses de venir en ville. Avec tout ce que tu as. Ogé, c'est pas que je refuse de venir en ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je voulais vraiment te dire. Je veux te suivre en ville. Oui. Et oui, je vais aller avec toi. Devine quoi? Maman a approuvé. Wow! Es-tu sérieuse? Oui. Oh, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. T'inquiète, quand je vais rentrer, hein, nous allons partir ensemble. C'est sérieux? Ah oui. Ah! Merci beaucoup, ma chérie. Pourquoi tu me remercies? Je te souffre là-bas en ville. Bien sûr. Ah, okay. Pourquoi sommes-nous amis? Tu sais quoi? Dieu va te bénir pour moi. Amen. Tu te bénisse aussi. Merci. De toutes les façons, cherche cet argent. Bien sûr. Hey. Tu sais, quand tu viendras en ville, hein, tu verras combien les filles ont une bonne vie. Elles se battent vraiment pour leur vie. Wow. C'est pourquoi je désire que tu viennes aussi, mon ami. Hein. Sérieusement. Tu sais quoi? Tu dois aller, ma chérie. Je dois construire aussi des maisons comme mes amis qui le font là. Oui. Je dois le faire, ma chérie. Exactement. Oui, ma chérie. Oh, viens d'abord. Merci. Merci. C'est gentil. Ojo a dit qu'elle doit me suivre en ville. Pourquoi? Elle a dit qu'elle est fatiguée de rester dans ce village. Alors je lui ai donné raison, elle a raison. Qu'est-ce que tu lui as dit?
Je suis d'accord, maman. Je lui ai dit que quand je vais voyager ce week-end, elle viendra avec moi. Je ne sais pas pourquoi mon esprit est en train de refuser qu'elle te suive en ville. Mais comme tu es déjà d'accord, je ne sais pas quoi dire. Mais tu dois vraiment être prudent, Ogechuko. Sois vraiment prudente, parce que Uju peut te corrompre quand vous partez avec elle en ville. Maman, Uju ne peut pas faire ça. Je ne suis pas un enfant. Je suis une grande personne, non? Ok, comme tu l'as dit, je l'ai dit, maman. Maman, nous devons partir maintenant. Tu sais que la ville est tellement loin, oui. Ça, c'est bien. Oui. Dès que vous arrivez en ville, hein, je vous en prie, mes filles. Allez-y doucement. Merci, d'accord, maman. Je vous en prie. Oui, maman. Problème, maman. Et toi, ma fille, n'oublie pas ce à quoi nous avions parlé. Pas de problème, maman. N'oublie pas. Pas de problème. Prends bien soin de toi. Tu pas vas me manquer. Toi tu aussi, vas me manquer. Hein, prends soin de toi. Bisous. Tu vas me manquer, oh. Oh, ma deuxième fille, viens. Merci, maman. Tu vas aussi me manquer. Bye, bon bye. Bon voyage. Bye, merci, bye. Au revoir. Bye, bye. C'est bye, bien. Maman. Merci. Bye, bye. Au revoir. Hey. Ah. Ogé. Ogé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, oh. Ça fait une semaine que je suis chez toi ici. Tu ne m'as jamais dit que faire pour vivre. Comment trouves-tu ton argent? Hein? Même le travail que tu me dis souvent là. Je ne sais pas quand tu le fais. Même pas me dire, ma chérie, oh, allons chez mon patron, oh, tu veux commencer à faire ceci, oh, même préparer pour lui, même faire autre chose. Je ne vois rien. Tu ne me dis même pas quelque chose. Hein? Hein? Je te vois seulement sortir chaque nuit pour rentrer le matin. Tu es toujours au téléphone en train de sourire à tout moment. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ok, je t'ai écouté. Je ne sors que la nuit. Et c'est là parce que le genre de travail que j'ai ne fonctionne que la nuit. Ton genre de travail que tu fais la nuit, je ne comprends pas, dis-moi. Fais-moi un peu comprendre. Ok. Écoute, la vérité est que je sors pendant la nuit, fais mon travail et je fais vraiment de l'argent. Je ne comprends rien du tout. Je suis confuse, s'il te plaît, fais-moi comprendre. C'est quoi? S'amuser. Confuse, s'il te plaît. Pourquoi tu es confuse? Comment tu ne comprends pas? Tu es un bébé? Ah! Ok. Ne me dis pas que tu fais Akuna Kuna. Hein? Ok. Uju, calme-toi, écoute. Ça ne va plus se répéter. Qu'est-ce que c'est alors? Je vais changer. Où est la différence? Écoute. Tu vends ton corps aux hommes? Ce n'est même pas quelque chose de grave, sérieusement. Ah! Qu'est-ce que tu fais et comme vie vraiment? Écoute, Ojo, demain, je vais amener quelqu'un pour toi. Tu dis quoi? Je ne comprends rien. Ok, je vais appeler quelqu'un, je vais appeler un homme que tu vas rencontrer. Pour faire quoi? Sais-tu que tu es compliqué? Hein? Tu vas faire ce qu'une femme peut faire avec un homme. Ojo, je ne vais pas faire ça, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Ah ah! Oh! Écoute, tu n'as pas le choix. Et puis, c'est tellement bien. Crois-moi, tu vas et... tu deviendras d'ailleurs plus que moi, je te dis. Non, arrêtez, non, doucement, s'il vous plaît.
monsieur. Pourquoi dois-je arrêter de te toucher? Vous savez, c'est ma première fois de le faire. Waouh. Écoute. Tu sais que je vais très bien prendre soin de toi. Arrêtez de me forcer. Je serai très gentil avec toi. Il n'y a rien à craindre. Tout ce que je veux, c'est que tu te détendes et que tu profites de tous ces moments. Est-ce que tu m'entends? Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Je vais déjà partir. C'est bon alors, attends. Hey. Monsieur? Prends-le quand même, je sais que tu mérites plus. Waouh! Tout cet argent, juste pour une nuit? Ah! Donc, Ogé avait vraiment raison. Que je pouvais bien me faire beaucoup d'argent avec ce travail, je donnerais aussi une meilleure vie à ma mère. Ah! Merci beaucoup, Ogé, de m'avoir emmené en ville. Merci. Ce n'est pas grave, chérie. Bye. D'accord. Ma chérie. Une femme complète. Bébé, regarde un peu ton corps. Tu ne peux pas aussi le faire. Comment? Où? Regarde-toi, non? Hein? Relax. Tu t'es vraiment jetée. Hein? Ma chérie, ne dis pas ça. Regarde un peu ça. Regarde. Quoi, t'es au complet, oh. Bébé, tu es forte. Tu es forte, je sais. Ma chérie, tu connais ces business? C'est très bien, oh. Laisse-moi te dire, je ne les lâcherai pas, ma chérie. J'y resterai. Je savais que quand tu viendras dans la vie, tu vas rencontrer des femmes, des grands hommes, je t'ai dit. Tu sais que c'est lui que j'avais rencontré là, c'est qu'il m'avait donné comme une somme d'argent. J'étais tellement stupéfaite. Tu sais que les filles d'ici, les filles là qui viennent là-bas au village et qui sont très fières. C'est vrai ça? Rien d'autre. Je suis d'accord avec toi. S'il te plaît, oublions cela. Préparons-nous, nous allons sortir. Je t'en prie. Je suis déjà là. C'est du chaud. Je te dis aujourd'hui, ça va chauffer. Alors, allons-y. Mon Dieu. Ma chérie, je vais te montrer. Vraiment, regarde ma chérie. Regarde l'argent. Juste pour une nuit. Oh. Juste une nuit? Ah, mon Dieu. Hey, non, je ne peux pas laisser ça. C'est un grand business. Hey! Regarde l'argent. Oh, Dieu. Qui avait dit que ça ne marchera pas, mon Dieu? Un grand business. Je ne partirai nulle part. Mon Dieu. Jésus-Christ. Regarde mon argent. Regarde. Chérie, je te dis, j'ai beaucoup apprécié.
Non, mais tu peux dire ça, ma chérie. Tu vas aimer. S'il te plaît, habille-toi, allons-y. Ah, tu ne te fatigues pas. Je ne suis pas fatiguée, oh. Garde ton périque. Regarde l'argent. C'est pas vrai, ça. Où trouverais-je encore cet argent? Où n'y pas? Ma chérie, laisse-moi te dire. Merci de m'avoir emmenée ici en ville. Je te dis, il y a l'argent ici, ma chérie. Je te disais. Je t'avais dit, si tu viens ici en ville, tu dois vraiment ouvrir tes yeux parce que tu dois rencontrer des hommes. Ils ont l'argent. J'ai déjà rencontré ces hommes, non, ma chérie, n'est-ce pas? Ma chérie. Non. L'argent. Je te disais. Non, c'est pas vrai. Je n'en reviens pas, ma chérie. L'argent, que j'ai touché l'argent. Oh, beaucoup d'argent, mon Dieu. Des sommes d'argent. Ma chérie. Je te disais. Comment vas-tu? Je vais bien, oh, tu ne me vois pas. Tu m'as vu, non? Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué, ma fille. Maman, on doit entrer dans la maison. Hein? Je t'ai emmené beaucoup de trucs. Hein? Je sais que tu ne veux pas me dire de sûr, maman. Tu m'as mené des bonnes choses. Tu sais que ma fille, je suis heureuse. Viens, on entre alors, allons-y. Attends que j'arrange ça. Sois la bienvenue, ma fille. Maman, je vais rentrer en ville demain. Ok. Que Dieu te donne de bonnes choses. Hein? Merci, maman. Mais il y a seulement une chose. Une chose? Tu ne restes pas jeune. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Hein? Maman, que veux-tu que je fasse? Ça fait un temps que je ne parle pas avec Obina. Veux-tu que je me marie toute seule? Voilà pourquoi je t'ai dit que tu ne resteras pas jeune. Hein? Tu ne peux pas continuer à attendre un homme dont tu n'as pas de nouvelles, ça fait longtemps. Cherche-toi un autre homme, tu comprends, quand tu arriveras là-bas en ville. Trouve-toi un homme bien, un homme qui prendra bien soin de toi, c'est tout. J'ai besoin de porter mes petits-fils, non? C'est quoi ça? Maman, je t'ai écouté. Je rentre déjà en ville demain. C'est bien. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, oh. N'oublie pas, oh. Trouve-toi un homme, pas n'importe lequel. Un homme bien, qui prendra bien soin de toi, hein? Tu ne veux pas que moi je vienne là-bas en ville? Maman, je t'ai écouté, c'est bon. Hein? Ma fille, oh. Oui, maman, je t'ai écouté. Vraiment? Je peux profiter. Oui. Mon téléphone, hein? Attends. C'est bon alors. Allô? Obina. Oh, salut, oh, ma bonjour, chérie. Bébé. Comment vas-tu? Je vais bien, quelle nouvelle? Ça je va vais et toi? Bien, et toi? Je vais bien. Obina m'a appelé. Obina? Oui, il m'a appelé. Waouh, comment il va? Il va bien. Devine quoi? Quoi? Obina dit ça fait un temps qu'il a beaucoup souffert. Mais Dieu lui a fait du bien. Ah Obina bon? A maintenant beaucoup d'argent. Es-tu sérieuse? Ouais. Wow. Ah, tu penses que je m'amuse? Obina m'a promis quelque chose qui va m'ouvrir un très grand supermarché. Waouh. Ouais. Sérieux? Oui, et il va commencer à me payer chaque fin du mois. Devine quoi? Parle-moi. Il m'a demandé ce que je fais pour les moments et je lui ai dit que je travaille comme une vendeuse. Dans un supermarché. Hey! Pourquoi est-ce que tu ris? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller lui dire ce que tu fais. Non, je devais lui dire que je fais la prostitution, n'est-ce pas? C'est ce que tu voulais que je lui dise, n'est-ce pas? Tu es sûre? Hey. Arrête un peu des bêtises, s'il te plaît. Ok. Réveille-toi, j'ai à te parler. Jo, qu'est-ce qu'il y a? Désolée de te réveiller. Hein?
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à arrêter ces business. Même pas pour toute autre chose, mais pour le bien de Obina. Obina a beaucoup fait pour moi. Il a ouvert pour moi un supermarché. Il me donne l'argent chaque fin du mois. Il envoie aussi l'argent à ma maman. Qu'est-ce que je cherche encore? Je dois vraiment arrêter. Hein? Je dois vraiment... s'il te plaît. Essaye un peu de l'oublier. Essaye un peu de l'effacer. Nous avons déjà un grand business dont nous gagnons de l'argent chaque jour. Alors qu'est-ce que tu veux encore faire avec Obina? Nous avons déjà beaucoup d'argent. Alors, que veux-tu encore venir? Dis-moi. J'ai un grand papa à faire demain matin. C'est vrai ça? J'ai pensé comme si tu avais des trucs importants à me dire. Ojo, s'il te plaît, essaie un peu de l'oublier. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille d'abord. Arrête ça. Laisse-moi dormir. J'ai vraiment besoin de me reposer. Tu sais que j'ai une journée chargée. Mais tu ne vas pas dormir? Laisse-moi dormir, pardon. Allô? Obina, quoi? Et tu es revenue? Oui, il n'y a pas de problème. J'arrive. Attends-moi, j'arrive. Non, mais j'arrive, Obina, j'arrive. Mon pote. Mais tous, mon gars. Bon retour au pays, mon cher. Merci, mon cher. Très content, mon pote. Ça fait très longtemps, mon cher ami. Et tu sais, cet endroit, t'es vraiment confortable et tu seras à l'aise. Oh oui, tu as raison de le dire. Vraiment. Tu dois te reposer, mon cher. Vraiment, je dois vraiment me reposer. Il me faut vraiment du repos. Et vraiment, je dois t'amener à un très bel hôtel. Comme ça, tu prendras un très bon bain pour te reposer, mon cher. Et comme ça, je te trouverai une très belle fille qui te donnera un merveilleux massage. Ah, mais est-ce que tu penses que c'est la bonne décision? Papa, il te faut une fille. Nous sommes au Nigeria. Oh non, mais... Et tu nous as manqué, mon cher. Vous m'avez manqué. Nous devons bien te traiter. Tu es devenu spécial. Je vois que tout a changé. Je vois que presque partout a changé. C'est comme ça que les choses sont. C'est comme ça que les choses sont, mon frère. Oui, c'est ça. Merci, mon cher. Merci. C'est comme ça que les choses passent ici. Hein. Ça a pris du temps, mais Dieu merci, je suis chez moi. Mais sincèrement, cet endroit est très joli. Oui. En tout cas, c'est très joli. Oh, ouais, c'est ça. C'est l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Es-tu sérieux? Oui, tu as raison. J'aime l'endroit. Je mon cher ami canadien. Mon cher. J'aurai une chose pareille très bientôt. Oui, je suis en train de réfléchir sur comment construire quelque chose comme ça. S'il te plaît, excuse-moi. Pardon, allô? Ok, j'arrive, d'accord, j'arrive. Mon bébé est ici. Oh, elle est là? Oh, viens, entre, ma princesse. Regarde cette merveilleuse créature. Elle est superbe. Regarde-la bien, je t'assure, elle va te terrasser. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Est-ce que c'est toi? Une prostituée? Oh! Qu'est-ce que je suis d'ailleurs en train de dire? Je ne suis pas choqué. Je ne suis pas censé être surpris. Parce que ça, c'est qui et ce que tu as toujours voulu. Hé, hey, s'il te plaît, arrête ça! Où est-ce que tu as eu le courage de me parler ainsi? Hey, écoute,
pour ton information, ta petite amie le fait aussi. Oju? Mon Oju? Une prostituée? Je sais que tu ne vas pas me croire. Attends. Attends, je vais l'appeler. Bon, d'accord, c'est bon. Essaye de te calmer, d'accord? Mais je ne... Bébé, comment vas-tu? Ah, où es-tu? Ah. Ok, écoute, je vais te dire où je suis. J'ai une affaire pour toi. Il garde beaucoup d'argent et il a dit qu'il veut une partie de toi. Bébé, comment je peux te mentir, non? Si ce n'était pas ça, je n'allais pas t'appeler. Ok, tu arrives. D'accord, je t'attends. Ok, je vais t'envoyer l'adresse. C'est bon. Mais je sais que tu es en train de blaguer, n'est-ce pas? Nous allons les confirmer bientôt. Non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois? Calme-toi, assieds-toi. Non, mais à quoi est-ce que je suis en train d'assister là? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Non, mais à quoi est-ce que je suis en train d'assister là? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Que je vois, je crois que c'est elle. Salut. Hey. Obina, et s'il te plaît, calme-toi. En fait, tu dois te calmer. Est-ce que je dois me calmer? Qu'est-ce que tu dis? Non, quand je dois me calmer. Mon cher, celle-ci est une fille que j'ai toujours prévu d'épouser. C'est elle, bien sûr, la fille qui m'a fait travailler très dur au Canada juste pour lui donner une meilleure vie. Et voilà où elle se retrouve, dans la débauche. Une prostituée. Mon Dieu! En tout cas, c'est incroyable. Oui, je sais que c'est très mal, mais on n'a pas d'autre choix, mon gars. Essaie de te calmer. Je ne peux pas. Je ne peux pas, mon cher. Et pendant que je lui envoyais de l'argent à chaque mois, elle ne s'est jamais plainte. Elle ne m'a jamais dit qu'elle n'était pas contente. Il ne m'a jamais dit que l'argent que je lui envoyais ne lui suffisait pas. Mais comment pourrait-elle et pourquoi pourrait-elle? Je n'arrive pas à comprendre. Ouf. Bon, et que veux-tu qu'on fasse alors, maintenant? Je ne sais pas vraiment. Certainement, je ne veux plus l'épouser. Non, je ne peux pas. Ok, comment pouvais-tu? Pourquoi me trahir de cette façon? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je fais comme mal? Comment peux-tu ruiner ma relation de plusieurs années? Tu as brisé notre amitié. Comment pouvais-tu? Tu allais voir de la manière dont Obina m'a insulté. Il m'a regardé comme une folle. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. C'est la raison pour laquelle tu as ruiné ma relation.
C'est la raison pour laquelle tu as ruiné ma vie. C'est pour cette même raison que tu as gâché notre amitié. Mais j'ai dit désolée. Comment je vais l'arranger? Comment? Je veux le numéro de son ami. Ok, donne-le-moi maintenant! C'est bon! Je vais te les donner. Fais-les maintenant. Prends ça. J'en ai besoin. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Obina, s'il te plaît, calme-toi, mon cher. Je demande qu'est-ce que tu fais ici? Obina, je te comprends, mon cher. Calme-toi, pardon. Relax. Obina! Aide-moi à les supplier, s'il te plaît. Je ne saurais pas vivre sans lui. Obim est ma vie. Je ne peux pas justifier ce que j'ai fait. Je le sais très bien. Je suis désolée. Tu ne pouvais pas faire ça. Et c'est la pire des choses que tu pouvais le faire. Mais comment pouvais-tu? Tu sais très bien qu'Obina t'aimait beaucoup. Alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? Je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas, s'il te plaît, excuse-moi. Obina est ma vie. J'ai beaucoup vécu avec Obina, s'il te plaît. Je ne saurais plus vivre sans lui. C'est bon, d'accord? Et ce que tu dois faire, c'est le laisser se calmer. Je lui parlerai, d'accord? Es-tu sûr? Je lui parlerai. Ça va? Il est tout un monde pour moi. Je lui parlerai. Essaie un peu de te calmer. Je lui parlerai. Calme-toi. Merci. Tu dois essayer de t'apaiser. Apaise-toi. Je sais que cette fille a gâché toute ta vie, mais je te supplie de lui pardonner. Essaye de lui pardonner. S'il te plaît. Tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas, mon cher. Je ne peux pas. Emeka, tu ne réalises pas la gravité de l'offense qu'elle a commise, mon cher. Ma femme, une prostituée? Voyons, mon cher, le vois-tu pour moi combien d'hommes ont pu coucher avec elle? Et tu me demandes de la pardonner. Comment? Obina, ce n'est pas ça que tu dois toujours penser. Hein? N'y pense pas. Et rappelle-toi que cette même Ucho a fait beaucoup de sacrifices pour toi. Pardonne-lui seulement, ramenons les choses à zéro et repartons, non? Pouvons-nous ne pas parler de ça, s'il te plaît? Essayons de changer le sujet. Je ne peux pas. S'il te plaît. Je voulais aussi te dire que je voyage pour le village pour aller voir mes parents et je vais directement commencer mes projets. Je vais juste essayer de vider ma tête.
Oui, entrez. Désolée. Bonsoir. Bon après-midi. Je suis venue voir Obina. Désolée, Obina n'est pas ici. Il est au village. Pour le village? Oui. Ok, merci. Uju? Tu dois juste t'apaiser, d'accord? Apaise-toi. D'accord, merci. Obi, Obi, papa, Obina, mon fils. Papa, je vis tout ce que tu as pu emmener. Ah. Je les ai vus. Merci énormément. Je t'en prie, papa. Laisse que le Dieu de notre terre te bénisse. Et c'est... Une fois encore, tu es le bienvenu. Merci, papa. Merci. Maintenant que tu es de retour, pas seulement de retour, mais très, très riche, quand allons-nous partir voir la famille d'Uju? Oh, chez Uju, hein? Oui. Malheureusement, papa, je ne peux pas épouser Uju. Pourquoi? J'ai mes raisons. Attends. Attends. Oh, Obina. Attends. Est-ce que tu viens tout juste de me dire que tu ne vas plus épouser Ujua? Une fille qui a pu t'attendre pendant plusieurs années? Une fille qui a fait de sacrifices? Juste pour toi? Une fille pour qui tu étais prête à mourir? Oh, Obi. Dis-moi que tu es en train de blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer, papa. Je l'ai déjà dit. Comme je l'ai dit avant, j'ai mes propres raisons. Je ne peux pas épouser Ujua. Obi, ce que tu viens de me dire. Mes oreilles ne peuvent pas l'entendre seules. Je dois aussi en parler à ta mère. Ce n'est même pas important que tu te tracasses pour ça, papa. Je le dirai personnellement à maman. Depuis que tu es retourné de la cité, tu ne fais que pleurer. C'est quoi le problème? Maman, il n'y a rien. Ah, rien du tout, mais tu pleures. Parle à ta maman, hein, ma fille. Je suis ta mère, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Parle-moi. Maman, oui. C'est Obina. Obina? Qu'est-ce qui ne va pas lui? Je pense qu'il va bien. Où? Maman, Obina a dit qu'il ne va plus m'épouser. Comment ça? Ah ah, il a menti. Comment est-ce qu'il peut te dire une telle chose? Qu'il ne va pas t'épouser? Non, il se trompe. Ah ah, non, après tout le sacrifice que tu as fait pour lui. Non, après avoir rejeté tous les hommes qui venaient vers toi à cause de lui. Non, non, Obina ne peut pas te dire ça. Pourquoi il peut te dire ça? Pourquoi? Maman, ah. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre là? Obina a dit ça. Qu'il ne va pas m'épouser. Qu'il ne va jamais m'épouser. Et c'est du mensonge. Il ne peut pas te faire ça. Il ne peut pas, non? Comment il peut faire ça? Non, non. Hein? Il ne peut pas se réveiller un jour et puis dire qu'il ne peut pas t'épouser. Ce n'est pas possible. Avec tout ce que tu as fait subir, ça, je n'accepte pas. Hein? Et de toute façon, je t'avais averti de laisser cet homme-là. Tu ne m'as pas écouté. Hein? Tu as fait tous ces sacrifices juste pour lui. Pour que tout aille bien pour lui. Et maintenant, il dit qu'il ne va pas t'épouser. Hein? Maman, je suis finie. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je sais toutes ces choses. Je t'avais averti. Arrête de pleurer. Il ne mérite pas des larmes. Arrête de pleurer. Obina.
Ah, Obina, mais cherche. Ah, Obina, Obina, on verra. Love conquers it all. To A is human, to forgive is divine. I'm sorry, my baby. D'accord, mon chef, je t'appellerai plus tard. Oui, oui, je suis sérieux. Merci. Obina. Maman? C'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce que tu as entendu? Ton père m'a dit que tu ne veux plus te marier avec Oudjou. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oui. Ce que tu as appris n'est rien d'autre que la vérité. Je ne suis plus intéressé à l'épouser. Obina, rappelle-toi, c'était à cause de ce Oudjou. Il y avait un moment tu avais refusé d'aller en ville. Maintenant, tu dis que tu ne veux plus l'épouser. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas parler de ça? Ok? S'il te plaît, ne parlons plus de ça. Je ne suis plus juste intéressé à épouser Oudjou. Je ne peux pas. Oh. Rappelle-toi, cet Oudjou a volé l'argent de sa mère pour t'envoyer en ville. Cette même fille a refusé beaucoup d'amour juste pour toi. Et maintenant, tu dis que tu ne veux plus l'épouser? Maman, je ne veux pas me marier à Oudjoua et j'ai mes propres raisons. Obina. Écoute, si c'est à propos de l'argent qu'elle m'a fait donner, je lui ai déjà payé 10 fois plus. Sais-tu combien j'ai dépensé pour cette fille? Sais-tu combien je lui ai envoyé? S'il te plaît, maman, n'essayons pas de réveiller le chien qui dort. Obina. J'ai déjà pris ma décision. Hey! J'ai juste envie de rester tout seul. Obina! Hey Dieu! Mon mari, qu'allons-nous faire à propos de Obina et Oudjou? Moi, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Franchement. Je suis aussi confiée que tu l'es. Je suis très surpris avec la décision d'Obina. Qu'il ne veut plus du tout épouser Oudjou. Je suis vraiment surpris. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Le pire dans tout ça est que Obina refuse de nous dire la raison pour laquelle il ne veut plus épouser Oudjou. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, juste fatiguée. Je crois que je sais quoi faire. Oui, je crois que je sais quoi faire. Je vais convoquer Obina. Et je vais lui parler à lui seul. S'il refuse de me dévoiler ses raisons, alors je n'aurai pas d'autres options que de réunir toutes les deux familles pour que nous essayions ensemble de voir c'est quoi le problème. Oui, ça c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Tu ferais mieux de lui parler, mon mari. S'il te plaît. Bien sûr. Je t'en supplie. Bien sûr. I'm sorry, my lover, because Wagalumo. Sorry, my baby, because Wagalumo. I promise you, it's not gonna happen again, no. Remember the way we used to be, like bread and butter. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait à moi-même? Comment est-ce que je pouvais être stupide jusqu'à ce point, mon Dieu? Hey, maintenant, Obina ne veut plus de moi. Obina m'a rejetée. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Oh, mon Dieu. Si seulement je savais... Je n'allais pas partir en ville ni encore parler à Ogé pour faire cette vie. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais
maintenant faire? Comment est-ce que je vais encore refaire ma vie, oh mon Dieu, après toutes ces années? Ah, oh mon Dieu. Seigneur, ne peux-tu pas faire un miracle, mon Dieu? Pour qu'Obina puisse encore m'accepter, oh mon Dieu. I'm sorry, my love. Sorry, my baby, you go back alone. I promise you, it never happen again. No. Remember the way we used to be, like bread and butter. J'ai convoqué cette raison à cause de nos enfants, Obina et Ujunwan. Je ne sais pas la raison pour laquelle Obina s'est décidée de ne plus épouser Ujunwan. Mais peu importe ce que c'est la raison, Obi, je veux que tu laisses tout passer. Ujunwan ici présente a fait d'énormes sacrifices pour toi. S'il te plaît, mon fils, je veux que tu oublies tout et que tu épouses Uju. Écoute, papa, si je savais que c'était ça la raison pour laquelle tu nous avais appelés, je n'allais pas venir. Comment voulez-vous que je le dise encore? Non, dites-moi, je ne veux pas épouser Uju. Je ne veux pas l'épouser. Obina, tu as menti. Obina, tu as menti. Pas après tous les sacrifices et risques que ma fille a eu à cause de toi. Obina, ma fille a rejeté plein de hommes riches à cause de toi. Elle a même volé mon argent pour t'envoyer en ville. Et maintenant que tu as de l'argent, tu veux me dire que tu n'es plus intéressée d'elle. Obina, tu ne peux pas te jouer de ma fille comme ça. Obina. Obina, mon fils. C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce que Uju t'a fait? S'il te plaît, dis-nous. Oh, permets-moi de le poser cette question. C'est à cause du respect que j'ai pour elle. C'est pourquoi je n'ai dit absolument rien. Obina, dis quelque chose. Dis-le fort, parce que je connais très bien ma fille. Elle a un bon caractère et elle se comporte vraiment très bien. Et je sais qu'elle ne t'a rien fait. Dis-le fort. Oné, s'il te plaît, calme-toi. Nous sommes là pour trouver la paix, pour trouver la solution et non pour le trouble. Alors parle à ton fils. Parle-lui. Papa, regarde, je crois que tu n'as plus rien à dire. Je ferais mieux de partir. Es-tu en train de partir pendant que je parle? Obina! Obina! Uju? Uju, tu as vu ça? Hein, Uju? Uju, regarde un peu comment se comporte la personne pour qui tu as sacrifié toute ta vie. Tu as fait plein de sacrifices pour cet homme. Je t'avais averti. Je t'ai même supplié comme une mère. Uju? Prends l'un de ces hommes riches qui veulent te épouser. Tu as refusé. Pas n'importe quel homme riche. Le véritable boss. Un homme qu'on pourrait appeler homme. Des hommes qui ont de l'argent. Pas un pauvre garçon inutile. Tu as refusé. Maman Uju, c'est bon. Ne me dis pas ça, pardon. Il n'y a rien qui va. Pardon, allez, lève ton pas chez nous. C'est toi-même qui as cherché tout ça. Oui, parce que je t'avais averti. Alors ça tombe bien. Bon, allez, allons-y. Jou katuyei. I'm sorry, my love, you go back alone. Sorry, my baby, you go back alone. I promise you, it never happen again. No. Remember the way we used to be, like bread and butter. Love conquers it all. To A is human, to forgive is divine. I'm sorry, my baby. The way we used to be,
so sorry, my love. Je suis très très désolée. S'il te plaît, je suis vraiment désolée. Je n'ai aucune explication à donner. Excuse-moi seulement. Je ne saurais pas te perdre. S'il te plaît, Obina, mon cœur. Je ne saurais pas vivre sans toi, je t'en prie. S'il te plaît, pardonne-moi. Non. S'il te plaît. Je t'ai pardonné. Bien sûr. Je t'ai pardonné. Je t'ai toujours aimé et je t'ai toujours respecté. C'est pourquoi je n'ai pas dit à mes parents ce que tu avais fait. Je suis désolée, désolée. Oh Dieu, tu es ma vie. Tu es tout ce que j'ai. Ma vie ne pourra suffire sans toi. Désolée. Je t'aime énormément. Pardonne-moi. Désolée, chérie. Je jure de ne plus jamais le faire. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Merci, mon cher. Ça suffit. Je t'aime. Ça suffit. Je t'aime tellement. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Remember the way we used to be, like bread and butter. Love conquers it all. To hate is human, to forgive is divine. I'm sorry, my baby. I'm so sorry, my lover.